C'est une délégation chinoise forte d'une vingtaine d'entrepreneurs, conduite par le vice-président Feng Jiequan, qui a été reçue ce vendredi 2 août à l'hôtel du district d'Abidjan. Il s'est agi pour la délégation et l'équipe du gouverneur Bekré Mambé de signer un accord de coopération et d'amitié dans les secteurs agroalimentaire, des mines, du commerce, du tourisme, du port, pour ne citer que ces domaines-là. Pour le chef de la délégation chinoise, c'est le dynamisme et l'enthousiasme du gouverneur Bekré Mambé qui a favorisé le choix de la Côte d'Ivoire au détriment de certains pays africains. Nous effectuons cette visite sur l'invitation du gouverneur du district d'Abidjan. L'objectif de notre visite en Côte d'Ivoire est de promouvoir les échanges et la coopération, et ainsi promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre la partie chinoise et le district d'Abidjan. Le gouverneur du district d'Abidjan, quant à lui, a souhaité que cette signature entre son institution et la province de Liaoning reste un exemple de coopération solide et durable. Nous avons signé récemment en Chine un accord de coopération avec la ville capitale de Shandong. Et là, c'est avec cette importante région que nous venons de signer cette lettre d'intention. Cela va nous donner une perspective de trois jumelages très importants pour développer le district d'Abidjan. L'acte posé aujourd'hui est le fruit des différentes visites effectuées par le gouverneur Bekré Mambé en République populaire de Chine depuis sa prise de fonction.